Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack et nous voici sur Donkey Kong Country sur Super Nintendo, sorti en 1994. Et voilà, et ça c'est un jeu qui forcément rappelle toute notre enfance. Y a rien d'autre à dire, hein, vraiment. Déjà, pour le jeu, moi je l'avais pas directement, je l'ai maintenant sur ma Super Nintendo, mais je l'avais pas vu, c'est encore un jeu que j'ai joué encore une fois chez mes copains, mais là, je l'ai sur ma Super Nintendo. Et du coup, on va essayer de mettre en français, ça peut être bien. On est déjà en français, très bien. Voilà, c'est... graphiquement, était impressionnant pour l'époque. Je vais mieux vous expliquer pourquoi. Du coup, puis surtout, souvenez-vous, sur France 2, l'émission là qui présentait des dessins animés était présentée par des Donkey Kong en 3D, tout ça. Et ça aussi, ça rappelle tellement mon enfance. Donc, c'est un jeu de plateforme, tout simplement. Hein, mais qui était original, déjà, graphiquement. Alors déjà, son gameplay est ouf. Mais graphiquement, comme vous pouvez le voir... c'est des éléments 3D, le Donkey Kong il est en 3D mais il a été compressé pour être dans de la 2D en fait, si je peux. Je connais pas les termes exacts mais c'est ça, voilà, c'est des... En gros le perso a été fait en 3D par un ordinateur et il a été giffé on va dire peut-être en quelque sorte pour loger sur la Super Nintendo, voilà. Donc à l'époque, alors là encore sur vos écrans ça va moins rendre, parce que rien ne vaut la Super Nintendo sur un écran cathodique. Pourquoi? Parce que là, encore moi je l'ai sur ma télé HD, ça passe. Mais sur un écran cathodique à l'époque, c'était vraiment un effet 3D quoi. Donc, parce que là, on voit aussi que dans les écrans où il y a des bonnes définitions, on voit tous les détails des pixels, tout ça. Alors, sur un écran cathodique, on voyait pas tous ces détails là, c'était un peu plus flou. Et du coup, on avait vraiment l'impression de jouer à un jeu 3D. Et c'était tellement moderne. La Super Nintendo faisait tellement de trucs de ouf. J'ai pété un truc, voilà. Alors du coup on a Diddy Kong, hein, Donkey Kong, voilà, au bout d'un moment on récupère l'autre. Et là on a un rhinocéros, ça c'est trop bien. Alors, il y a un passage secret. Donc le jeu je l'ai jamais fini, j'ai fait que la moitié du jeu moi perso. Parce que j'y ai rejoué quelques... J'ai récupéré le jeu il y a un an, deux ans. Donc du coup j'avais fait à moitié, j'étais coincé dans un niveau avec des... Hein, vous devez connaître ce niveau, un fameux niveau avec des wagonnets. Oh, j'en prends un autre passage secret, tiens. Alors. Oh merde! Bon, j'ai touché. Pas de bon timing. Oh, j'ai agacé. Je suis sûr que plein de gens ont connu ce jeu, quoi. Et est-ce que vous avez connu sur France 2 l'émission? Je sais plus comment elle s'appelait cette émission. Avec Donkey Kong qui présentait, quoi, les dessins animés et tout. C'était tellement stylé. Après, à jouer, c'est tellement fluide, comme vous pouvez le voir. On va avancer sur la carte, ça serait bien d'avancer. Non, je vais pas refaire le niveau. Mais non. J'ai rien compris le jeu. Ok, bon, bah écoutez, je sais pas ce que j'ai branlé. Voilà, on peut retourner comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est quand on va arrêter le niveau. Ah, d'accord. Je savais même pas ça. Ah, mais on peut pas revenir. Je veux rentrer. Voilà, c'est par là. Oh oui, c'est vrai qu'il y a ce petit coin là sympa. Hop. La petite cabane. Bon, la musique aussi elle reste bien en tête. C'est pas grave, on va se retaper le niveau. Je sais même plus comment on peut se barrer de ce jeu. Ça les vieux jeux. Non, on peut pas, on va se faire enculer. Bon, on va se rusher le niveau, c'est pas grave. Il est, comme vous pouvez voir, on peut vite le refaire. Bon, on va récupérer Donkey Kong en plus, c'est pas une mauvaise chose. Voilà. Donc du coup boum. Ouais, c'est assez fluide comme vous pouvez le voir. Il y a plein de passages. De passages ambigus. Je peux même pas dire que secret, mais ambigu. Hein, pas obligé. Voilà, on va essayer de le faire sans prendre les passages secrets. Boum. Voilà. Mais vraiment, c'est un jeu. Voilà, il y a de quoi faire, quoi. Vraiment. On s'ennuie pas une seule seconde dans un jeu comme ça, quoi. Hop. 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 Ah, c'est fluide, c'est ça. En fait, c'est à jouer, c'est vraiment agréable à jouer, quoi. C'est d'une fluidité, mais génial, quoi. Après, alors, je me demande, j'ai pas essayé les autres. Tu sais qu'il est ressorti, ceux-là, ils sont ressortis sur Game Boy Advance, comme beaucoup de jeux Super Nintendo. Sur Game Boy Advance, ça doit tellement envoyer du steak. Parce que quand l'écran est plus petit, forcément, c'est plus joli. Bon, j'aimerais bien avancer, s'il vous plaît. Tchoum, tchoum, vous trompez de touche.
Mais voilà, regardez la pluie, c'est con. Alors là, peut-être que sur votre écran, parce que là, bon, évidemment, je vous filme sur émulateur, pas sur directement. Voilà, sur la Super Nintendo, j'ai pas ce qu'il faut pour filmer direct ma Super Nintendo. Après, je pourrais vous filmer mon écran. Je ferai des vidéos comme ça, je pense, de temps en temps. Mais voilà, vous verrez sur un écran comme ça, ça rend trop bien. Moi, je pense que la version qui doit rendre le mieux, c'est vraiment la version Game Boy Advance sur le coup. Sur un petit écran, des graphismes comme ça doit tellement envoyer. C'est vraiment. Hop, on change, on switch. Oh, j'ai loupé le rhinocéros, c'est pas grave. Ouais, là, c'est juste pour vous montrer le jeu et vous montrer comment on meurt. Ça, on a pas mal de vie. Tiens. Mais ouais, ça, alors, je pense que ça va rappeler beaucoup l'enfance de beaucoup de gens. Moi, après, j'ai plus grandi avec Sonic et tout, parce que ma soeur avait la Mega Drive. Et moi, la première console, rien qu'à moi, c'était la PlayStation 1 avec Spyro. Mais c'est vrai que. Ce jeu, voilà, encore un jeu que je voyais chez les autres. Et les jeux qu'on voit chez les autres, des fois, ils marquent autant que les jeux qu'on a eu nous. Hein. Et vraiment, bon, ben, je trouvais ça beau. Je trouvais ça, putain, c'était fun à jouer. Tu dis, putain, c'est de la 3D. Alors que... Oui et non. On va dire, voilà, bon, la vue est 2D, évidemment. Mais je veux dire, voilà, les sprites des persos, sont, c'est de la 3D compressée, en fait. C'est des espèces de gifs que vous contrôlez, en fait. C'est des gifs de bonhommes en 3D. Hein. Mais la 3D est là à la base, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il avait un style similaire. Et je vous dis, sur écran cathodique à l'époque, on y voyait que du feu, on croyait que c'était de la 3D, ça trompait totalement l'œil. Bon là forcément c'est plus pixelisé, on le voit mieux. Mais je vous jure que ça n'a pas le même rendu. Si vous avez un jour, si vous pouvez l'essayer sur une sur Super Nintendo avec un écran cathodique, et bien je fais n'importe quoi, vous verrez, voilà, le jeu à quoi graphiquement il envoie du steak, quoi. On est en 94, c'était ouf. Boum, voilà un échec point. Boum. Voilà. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu, donc j'ai un peu perdu la main. Puis... Je suis content. Franchement, c'est un jeu qui a marqué. Oh putain. Ah, c'est bon. Je croyais qu'il m'avait enlevé de la vie. Je le rush un peu parce que je vais juste vous montrer vite fait comment ça marche, quoi. Enfin, ce que ça donne. Après, c'est pour aussi le faire découvrir aux plus jeunes, mais je sais que les plus vieux ils connaissent les bails, quoi. Et j'en ai ressorti plein depuis, hein. Il y en a eu un sur. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai glissé, chef. Ils en ont ressorti sur Nintendo 64 qui est plus du tout le même style, il est en 3D où tu te balades, quoi. Après il y a le Donkey Kong Country Freeze, je crois que c'est ça qui est sorti sur Wii U, je l'ai pas essayé. Il va ressortir sur Switch, donc sur Switch je pense que ça doit envoyer tellement du steak. La Switch vraiment une console qui me fait de plus en plus envie. Même si comme je dis, moi j'ai tellement de jeux à jouer sur Play 4, de jeux prévus, j'aurais jamais le temps ni l'argent de jouer à tout. Mais la Switch me fait de plus envie et vu que les jeux Wii U, finalement, on les a quasiment pas connus, on les découvre sur la Switch. Donc c'est sympa, surtout en format portable. Donc à voir. Moi j'attends une Switch slim, moi. Je te jure qu'ils vont nous la pondre bientôt. Voir qu'elle soit un peu moins chère. Pour moi, ça sera un Metroid qui me ferait craquer, je pense. Vraiment pour la Switch. Tchon. Ah, ce qui était marrant, là, il y avait vraiment, c'était le jeu, des fois, voilà, il y avait des petites rythmiques à avoir, c'était assez sympa. Oh, il fait beau d'un coup. Même ça, c'est stylé, quoi. Et le tatou, en plus, c'est que c'est vraiment. Ah merde, j'ai loupé la lettre. Tonton, il est content quand même. Allez hop. Tiens. Alors, je sais plus ce que c'est. Cabane de machin, il va nous filer des trucs. Une bande de Kremlings vient de passer. Dans Liane Folie. Il se prend des coups sur la tête. Tu vas rigoler entre un rocher et une autre partie de l'une, je crois. Candy sauvegardera ton jeu. Ah oui, ça fallait croiser un personnage où on pouvait pas sauvegarder tous les niveaux. Tu en sais suffisamment pour l'instant. Et l'ambiance de ce jeu est assez funky, quoi. C'était ça les années 90, si on avait bien cassé les genres. Et c'était l'époque où on commençait à faire de. Avant, à parodier un peu à faire. Enfin, ça existait un peu dans les années 80 déjà. Mais c'était l'époque, c'était la mode de rendre les trucs, mais en mode fun, quoi. En mode, je suis trop gens. Et c'était un peu ça dans Kikon, quoi. Ouais, on voyait le début avec la grosse radio. Voilà, ça faisait très années 90, 80, ouais. Et voilà, on est jeunes, on écoute la radio avec la putain de radio qui fait. Qui faisait 2 mètres, quoi. Et voilà, c'est d'époque, quoi. Et Donkey Kong Country, ça faisait jeu de jeunes comparé à Mario, quoi. C'est con à dire, hein. Mais à l'époque, Mario, limite, c'est con à dire, ça vous choquait, je pense, les jeunes aujourd'hui, qui maintenant trouvent que c'est swag de jouer à Mario et tout. Mais à l'époque, voilà, les grands, ils jouaient à Sonic, à Mega Drive et tout. Et du coup, Donkey Kong, ça faisait un peu le truc fun du jeu, quoi. Ah ouais, ça, ces passages avec les tonneaux, ils sont trop bien.
C'est trop bien. Il y a un niveau, peut-être qu'on va y tomber dessus, où faut faire tout un embranchement avec ça, et c'est assez fun à jouer. C'est quand t'as pas capté le truc, c'est super chiant, mais. Faire des roulades aussi. Ah merde, putain, j'ai chié un bac. C'est pas vrai, Vincent. Tu sais plus jouer, hein, jeu vidéo. Oui, je sais pas jouer, je tiens à le dire. Voilà, c'est carré. Enfin, sur ma lettre. Sur ma manette de d'émulateur, c'était carré. Bref, mais bon, vous allez me dire dans les commentaires si vous avez connu ce jeu. Putain, je crois que j'ai perdu Donkey Kong, j'ai coupé les boules. Mais voilà, l'ambiance et tout. Puis le jeu est beau, le jeu est beau. Même aujourd'hui, il pique pas les yeux, quoi. Alors là, il pique les yeux, certes. Mais merde, je fais n'importe quoi, je suis pas concentré du tout. C'est une catastrophe. Il pique les yeux, certes, parce que là, on voit, voilà, l'émulateur détaille tous les graphismes. Là, c'est pas trop. Oh, je peux avoir un mode lycée, mais bon, j'aime bien montrer le jeu d'origine, moi, perso. Mais je vous dis, sur écran cathodique ou sur Game Boy Advance, ça envoie du steak. La meilleure version, c'est Game Boy Advance, quoi. Mais à l'époque, ouais, c'était un jeu, mais ça pétait de couleurs, regardez, c'était des détails et tout. Je vous dis, l'importance des vieux écrans qui, pour des vieux jeux, ont du charme. Voilà. Alors, si vous avez un petit écran cathodique, gardez-le. De toute façon, il tiendra peut-être plus longtemps qu'une télé d'aujourd'hui. Même si vous pouvez sans doute plus regarder la télé avec la TNT, maintenant, qui est intégrée dans le truc et tout. C'est mort, quoi. Mais... Et voilà, pour du rétro gaming, c'est parfait, quoi. Oh merde, je crois que je pouvais sauter dessus, la niquer, ça m'a donné. Sauter dessus, la niquer, c'est très macho, Vincent. Ce jeu de mots dégueulasse. Bravo, bravo. C'est le checkpoint. Oh, mais merde. Putain, il fait du caca bout d'un milieu, le checkpoint. Tchouin, tchouin. Tchouin, 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 tchouin. Bon, c'est que du bonheur de jouer à jeu. On s'amuse. C'est vraiment de l'amusement. C'est agréable à tenir en main. Même quand on perd, on n'est pas frustré. Alors, je me demande si je peux pas. Voilà. Je crois qu'on peut même. Il y a un niveau, on a un espadon au niveau aquatique, je me rappelle. Enfin voilà, y a, en plus les niveaux, il y a la diversité, quoi. Ah mais merde, j'avais roulé dessus. Mais non. Mais non, mais les boules. Putain, oui, je joue très mal. Mais en même temps, vous n'êtes pas là sur ma chaîne. Vous qui me connaissez quand même. Bon, pas pour les nouveaux, hein, c'est des nouveaux venus. Vous n'êtes pas là pour me voir bien jouer. Parce que vous savez que je joue pas bien. Ah mais merde, mais non, mais là je joue très mal. La rage. Allez, en plus le boss est pas loin, ça serait bien si on pouvait se faire le boss. Ça serait cool. Ah mais non, mais putain, cette guêpe. De toute façon, c'est guêpe dans le jeu, c'est le pire ennemi du jeu. Ah putain, mais sans déconner, j'ai pas resté coincé quand même. Merde. Yesh. Ah mais putain, je fais la même erreur. Mais je peux pas la niquer en faisant une roue là ou je sais pas quoi. C'est pas bon là. Je suis juste pas loin de la sauvegarde, quoi. C'est horrible. Oh, mais merde. Oh, mais j'étais arrivé tout à l'heure. Mais sans déconner. Mais je rage. Ah, le pire, c'est le niveau des wagonnets, là. Qu'est-ce qu'il est chiant, ce niveau. Mais putain. Bon, ben voilà. Badaboum. Game over. Ah, non, je crois qu'il me reste une vie. Ouais, ça marche comme ça. Bon, on va pas se louper, hein. Je vais passer l'abeille et je vais me croûter contre un truc encore. Alors. Ah, déjà, ça va faire du bien. On n'est pas tout seul. Voilà, mais mec, il reste plus qu'une vie, quoi. Ça y est, je suis concentré quand je parle plus comme ça. Oh putain, pas bon. Allez, on a réussi. Putain. Voilà, j'ai gaspillé toutes mes vies. C'est pas là qu'on sauvegarde ?
Non, je vais me faire enculer, c'est ça? Putain. Folie corallienne. Voyez, ouais, le niveau aquatique, moi je vais vous montrer ce niveau. Ah, on a récupéré une vie en faisant le Kong en entier. Oh putain. Ah, on perd une. Putain, j'ai oublié qu'on pouvait se faire bouffer par un putain de poisson. Tonton. Tonton. Mais le jeu est beau, hein. Comme vous pouvez le constater. Ce niveau aquatique, mais à l'époque, c'était magnifique. Même aujourd'hui, c'est beau. Et la musique sont là. Enfin, je trouve que c'est un jeu qui est en avance sur son temps. Un Super Nintendo craché, c'est poumons là. Même si c'est finalement. Enfin, je dis ça, mais finalement, c'est plus des. Oh putain, saloperie. Je sais plus si les bananes on récupère beaucoup de vie après ça. De toute façon, je sais très bien que vous me direz dans les commentaires parce que vous connaissez certainement le jeu moins que moi. Après, c'est plus pour vous évoquer les souvenirs. La nostalgie. Ça, ces trucs là, c'est horrible. Ah, une vie, on va pas dire non. Si c'est pour la perte derrière, c'est très bien. Ça. Continue comme ça, tu iras loin dans la vie. Tonton. Alors, donc on va y aller doucement. On essaie de se faire bouffer par le premier poisson venu. Voilà. Voilà. Allez, on se concentre. C'est bien beau de blablater, faire la nostalgie et tout, mais faire du caca comme ça, c'est pas normal. C'est un peu scandaleux. Tonton, ton. Hop. Oh putain, merde. Ah là, il y a un espadon. Ah voilà, ça c'est drôle ça. On peut tous les niquer comme ça. Voilà, boum. C'est rigolo, hein. La vie. Oh, ça l'a pété. D'accord. Ah bon, bah allez, reviens. C'est cool. Bon, par contre, je sais plus où faut aller. Ça c'est drôle. Voilà, c'est des trucs de gameplay qui sont bien, quoi. Je pense qu'il faut descendre. Ça, c'est de la saloperie. Ça, ça fait flipper, ce genre de truc. Moi. Ah. Ok. Oh, putain, il y avait un requin. Ça, ça fait vraiment musique de jeu à l'ancienne. On peut le récupérer? Ouais. Oh mais merde! Mon espadon! Oh tant pis, on va faire ça. Hein. C'est trop drôle, un espadon quoi. C'est stylé comme poisson, j'aime bien. C'est vrai quoi. Enfin, le poisson le plus stylé. Il y a un Pokémon espadon, il y en a tellement, je sais même plus ce qu'il y a. Putain, ça c'est de la saloperie ça. Il y a un Pokémon espadon, c'est ce que je me posais comme question. J'ai dit, mais quand même. Oh là là, là vous voyez, vous sentez que j'ai chaud au cul? Vous le sentez? Voilà, quand t'as presque plus de vie que t'as touché comme un con. Ah, on va pouvoir sauvegarder là-bas normalement. Non, je sais plus. Ah non, c'est là-bas. Lui va nous donner quelque chose. Tiens, tiens. Tiens, 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 tiens. Salut, je suis Funky Kong. Et mon tonneau jumbo ou machin, j'arrivais pas le temps de lire. Mais je peux vous amener que là où vous êtes déjà allé. Ouais, c'est le mec en fait, il peut nous ramener au début quoi. Mais on s'en fout en fait. Ouais. Mais du coup merde, on se retape du coup ce niveau là. Mais c'est pas plus mal parce qu'on peut récupérer de la vie là. Hop. Par contre je sais pas comment on se casse après du niveau. Je vois plus sur les touches, j'arrive pas à savoir. Tolantantant. Pam, 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 pam. On va se retaper le niveau que je vous dise. Parce qu'on peut pas revenir là. Hein. C'est pas bon, il y a plus de bananes. Oh mais non, comme Banana Award. Voilà, il est pas content. Il y a plus de bananes. Bon, on va rusher le niveau, on va récupérer un peu de vie comme ça. Ben voilà, du coup, c'est un jeu que je voulais vraiment vous... Voilà, le faire, parce que je l'aime bien. Même si je l'ai pas découvert vraiment, enfin... Je l'ai pas eu moi à l'époque. Mais comme je dis, comme Dragon Ball Final... Final Boss, c'est un jeu que j'ai eu, ben, enfin, que j'ai découvert chez des copains, quoi.
Et que maintenant j'ai aujourd'hui, je suis content de l'avoir dans ma bibliothèque. Voilà, je suis fier. Parce qu'il est trop bien ce jeu. Et je récupère aucune vie, c'est intéressant comme ça. Hop! Et oui, je sais pas jouer. C'est une catastrophe. Mais oui, je parlais du Donkey Kong. Oh! Ça fait gagner un truc, ça. Qu'est-ce qu'on a débloqué? On a une autruche! Oh putain, je me rappelle même pas de ça, quoi. Elle est tellement stylée. Bah écoutez, on fait ce petit niveau bonus. Ah, c'est chaud. On pourra jamais tout choper. Oh là là, il y a tellement de trucs. Ah mais non, mais on peut pas tout faire là. Récupérer le plus possible. Ce sera sûr, on peut bien tout choper. Il y a bien des mecs qui ont dû y arriver. Mais putain, c'est trop chaud. Alors ça me filait quoi? Ah, ça m'a rendu. On a fait plein de vies là. C'est plutôt bien. Bébé. Bah, l'ambiance de jeu, les petites musiques, tout ça. Et un coup de rhino. On va toujours péter les culs. Allez hop, on prend pas le passage secret. Quoique si, je suis con, ça aurait pu redonner un peu plus de vie. Moi qui est pas très bon. Là, on a récupéré de la life. Mais voilà, mais regardez en plus ce qui est bien, il y a plein d'interactions avec les animaux, tout ça. Enfin, je veux dire, on avait des bonus, c'était sympa. Mais c'est génial ce jeu. Après, je connais pas tous les passages secrets, le jeu par cœur comme vous, certainement, comme je vous ai expliqué. Je ne l'ai pas eu à l'époque même. Mais voilà. Ah, c'est celui-là qui a le fameux niveau là qui fait. Ah, mais merde. Bon, ouais, je récupère un truc. Pas très grave. Après, voilà, c'est qu'il y avait plusieurs chemins possibles, un peu que ça fait penser au Sonic ça. Et là, il y avait du vide, c'était pas un chemin. Attends. Bon bah à chaque fois je me pète dans la gueule lui. Heureusement que je revive derrière. Oh mais putain, j'avais pas vu, mais tombé dessus que. Comme un foiré. Ah mais non. Ce vieux cri. Ah là là. Mais bon. Ça fait plaisir les jeux 2D, ça fait toujours plaisir comme ça. Mais ils avaient un charme que les jeux d'aujourd'hui, il y en a, ils essaient de refaire des jeux 2D, mais ça n'a pas le même charme. Il y a un truc qui est pas pareil. Je sais pas quoi, c'est pas le même challenge, je sais pas. Après c'est l'époque hein. On peut pas, voilà, aujourd'hui on regarde ça avec un œil nostalgique, alors qu'à l'époque on regardait pas ça avec un œil nostalgique, et c'est ça qui change tout quoi. Regardez le raccourci de ouf là. Il est pas beau celui-là. On n'a pas respecté le niveau. Moi je vous le dis. Merde. Oh merde. Alors c'est ça le fameux passage qui est pas mal mais qui fait péter des plombs. On va essayer de re-cheater un petit peu. Enfin tu sais même pas de cheater, c'est un passage. C'est un passage. Oh mais merde. Voilà, là on rush, mais c'est violent quand même. Et c'est, mais par contre, il y avait une sensation, c'est bien. Voilà, le gameplay était là aussi, voilà, les graphismes étaient là, mais c'était fluide aussi. Alors on fait attention à ce qu'on fait. Boum! Voilà, il y a des passages comme ça, mais il y en a un où il y a des guêpes et tout, il est beaucoup plus compliqué, je sais pas si c'est dans ce niveau ou pas. Mais... je pense que ceux qui connaissent le jeu voient ce que je veux dire.
Hop. Je sais pas si c'est là. Oh mais merde. Ah merde. J'ai du caca à boudin. Tonton. Mais bon, j'espère que ça, enfin, en tout cas, ça vous plaît ces petites vidéos. J'essaie de refaire un peu de petites vidéos rétro gaming un petit peu. Ça me manquait de plus en faire. Et j'ai plein d'idées, il y a tellement de jeux. Voilà, sans pour autant vous le faire en entier, mais juste histoire de vous faire découvrir. Alors, pour les plus jeunes, vraiment, bah, donner envie de découvrir ces vieux jeux, faire comprendre d'où viennent les bails, quoi. Et puis pour les anciens, voilà, si vous avez la Super Nintendo, voilà, vous donnez envie d'y jouer, ou la Game Boy Advance, parce qu'il est sur Game Boy Advance aussi. Donc, voilà. C'est comme je vous dis, voilà, c'est vraiment, moi, je vais vous redonner un peu l'envie. Putain, ah, mais là, il y a les guêpes. Ah, merde, ben voilà. le pire ennemi du jeu. Donc voilà, c'est vraiment ça pour ça que, voilà, ça me fait plaisir de refaire des petits HS comme ça. Voilà, c'est... Les vieux jeux, c'est une passion, moi j'aime bien. Comme j'adore les nouveaux jeux d'aujourd'hui. Comme je dis, voilà, le jeu vidéo n'était pas mieux avant. Parce qu'aujourd'hui, c'est extraordinaire ce qu'on a. Mais ça n'empêche pas qu'on ait un petit côté charme que les jeux d'aujourd'hui n'ont pas. Mais ça n'empêche pas que non, les jeux vidéo sont mieux aujourd'hui quand même. Voilà, moi je suis objectif. Hein. Avant, je disais le contraire, mais j'étais un peu un gros con. Non, c'est pas vrai. Vu ce qu'on a quand je vois le Assassin ou les trucs comme ça, je me dis, mais on a des jeux de ouf. Bon, d'accord. Caca boudin. Ton. Mais voilà, du coup. Franchement, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez le jeu ou si vous connaissez pas, si vous fait envie. Après, Donkey Kong, c'est un personnage. Il y a beaucoup qui connaissent grâce au Mario Party, au Mario Kart. Mais vraiment. Voilà quoi. Mais. Oh putain. Bref. Bah écoutez. Je vais hériter. Non, je vais quand même essayer de finir ce niveau. Si je meurs, j'arrête. Voilà, c'est tout. Mais après. Oh putain. En fait, je croyais que j'étais mort. J'ai eu un truc bizarre dans ma tête. Oh, tout à l'heure, on avait une vue, on a réussi à tenir. Mais non! Et c'est pas vrai. Je suis pas concentré du tout. Du tout. Ce genre de jeu, fallait quand même un petit peu de concentration, hein. Vous voyez le Donkey Kong Freeze Country là, sur la Switch, en version portable, ça va être bien. Que la Switch, on a surtout envie d'y jouer en version portable, hein, franchement, je vais pas vous cacher. Elle fait envie pour ça, pour le côté portatif. Et il y a des jeux, ils passent tellement bien comme ça. Même s'il y a des sur l'écran, voilà, sur la télé, ça rend bien aussi les Mario Galaxy, Zelda. Je sais, j'ai mon pote qui l'a. Eh ben merde. Enfin voilà quoi. Oh non. Et là, t'avais pas de sauvegarde parce qu'on avait pas trouvé la nappe pour sauvegarder, on était pas loin. Bref. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. C'est beau de finir sur un game over quand même. Si vous avez. Voilà, si vous avez connu ce jeu, si vous l'avez aimé, que ça soit sur Super Nintendo ou Game Boy Advance. Si vous avez déjà joué à d'autres Donkey Kong Country. Machin, n'hésitez pas les nouveaux, ceux qui n'ont pas connu, ce que vous en pensez de ce jeu. Je vous dis à l'époque, pour 1994, croyez-moi, ça envoie du steak, et encore aujourd'hui, ça envoie du steak. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, vos commentaires, la petite clochette, et je vous fais des gros bisous. Et mangez des bananes, voilà, parce que c'est ce que nous apprend Donkey Kong. Et c'est bon pour la santé, c'est vrai. Allez, salut à toutes et à tous.